Cindy, c'est oui. Vrai, t'as fait l'amour? À quel âge pour la... Ta gueule! À quel âge pour la première fois, Cindy? 16 ans. 16 ans? C'est tard? Oui, monsieur. C'est oui. Tard pour une salope? Oui. Des extasies au public. Monsieur, c'est Philippe, tu veux nous parler de ta jeunesse dans une famille bretonne consanguine et alcoolique? Ça te fait bien. Moi, je suis l'aîné de 7 garçons. Ah, et qui faisait Blanche-Neige chez toi? Qui a c'est déjà marié. Été marié? Qui a déjà choisi? Qui a déjà été marié? 4 fois, moi. Ah, c'est vrai? Et toi, jamais? Jamais, non. Jamais t'as marié? Jamais demandé en mariage. Quelle est la demande en mariage la plus incroyable qu'on t'ait faite? Bah déjà une demande. Et il y en a eu 4. 4. Alors, des 4, quelle a été la plus originale? Des 4, quel était le mec le moins bourré des 4? T'as jamais été marié. T'as été marié 4 fois. Alors, Bonjour Roger. Bonjour Monsieur Thierry Roland. Comment ça va? Ça va très bien. Roger, supporter, oui. Supporter du Toulouse Football. Oui, depuis longtemps. Ça oui, fait mais peut-être... là, en ce moment, c'est pas terrible. Hein. Ah, et oui, ils ont fait la Coupe d'Europe et ça les a tués. Oui, c'est vrai. Et oui. Mais il y a Gignac qui va revenir, ça va aller mieux. Oui, mais il va partir. Et voilà. Ah, il va partir? Ah, certainement. C'est officiel? Ben non, mais enfin, je m'en doute. Il prend ses renseignements chez les gens. Ah bon? C'est un vrai journaliste. Hey. Ben, si monsieur... Si ah bon, la France a gagné, vous êtes sûr? J'ai gagné marqué 2 buts de la tête. Ah, ben, ça m'intéresse. Vous avez fait quoi comme petit moi, boulot? Moi, j'ai ramassé des fraises un jour. J'ai été animateur pour enfants. Voilà. Non, ouais. 2 ans de prison. Non. C'est pour ça. Chantal, des petits boulots. J'ai vendu des pansements. Des pansements? Oui. Et on vendait en porte-à-porte des pansements, mais qui ne collaient pas aux doigts. Donc c'était des trucs de GI américains. Donc ça se roulait comme ça, un peu comme un préservatif. C'est-à-dire ça te protégeait le doigt et puis... Ma mère, elle a trouvé un de ces pansements dans la poche de mon petit frère. C'est et elle pensait que mon petit frère, il avait des rapports sexuels. Tu vois? Je lui dis, mais j'ai baisé avec, la fille pensait que je m'étais coupé la bite. Ça démarre très fort. Parmi vos adversaires, lequel des deux porte la rose du PS tatouée sur la poitrine? Aucun des deux. Happy point. Parce qu'on connaît le tatouage d'Emeric, hein? Ouais. Sur la bite, il y a marqué No Steak. Hein, Michel, bonjour. Michel, bonjour. Bonjour. C'est à toi, Michel. Bonjour. J'aimerais vous avoir une question à Mme Fontenay et à Laurent, à toi. D'accord. Tu veux pas nous parler de ton problème d'alcool avant, Michel? Parce qu'on peut aussi régler des problèmes perso, hein. C'est pas que culturel. Vous avez pris des bonnes résolutions pour 2004, Jacques Alain Léger? Oui, tout à fait. Même au niveau des cravates? Oui, surtout des cravates. Alors. J'ai une question pour mon Thierry Roland. Oui. Et auparavant, j'aimerais savoir si vous pouvez avoir une photo dédicacée pour mon papa. Ah, bah sans problème. Madame. Non, pas de toi. Hein. Non, mais sans déconner. Et comment il s'appelle le papa? Il s'appelle Roger. Roger. Tiens, bon. Bah, tu vas lui signer le livre tout de suite. Oui. Pose ta question. Il fait. Oui. Alors, à part le foot, y a-t-il un autre sport qui vous fascine? Non. Le pourquoi tu signes pour ce vieux con de Roger? C'est pas cool pour lui. Le foot. Oh non. C'est un vrai mort, ce Laurent. Alors, la dédicace. Roger. Oui. Il t'a fait une très belle dédicace. Non, ça a fait une dédicace. Avec un croquis de sa bite. Personnalité. En plus, je ne sais pas dessiner, alors tu vois ce que ça donne. Ça te fait plaisir, Roger? Ah oui, très bien. Est-ce que pour réussir, Olivia, vous seriez prête à vous faire gonfler les seins? Ah oui. D'ailleurs, j'y pense. Ça. Je t'interdis. Mais, ah ouais. Parce que ça a raté pour toi, mais maintenant ça...
ça a évolué les techniques. Bientôt. Vous trouvez normal qu'en couverture des magazines féminins, on passe directement des mannequins anorexiques à Marianne Gent sans aucun palier de décompression. Et je la trouve charmante, mais elle a une des magazines. Elle est très, très belle. Non, très très belle, oui. Elle est très belle. Elle est retouchée. Elle est retouchée. Elle arrive, elle est dans le monde charge, elle arrive. C'est Gérard Louvain, il est là. C'est lui qui a créé Confessions intimes. Eh ouais, vous... T'as pas honte, excusez-moi. Hein Eh ouais. Vous en êtes fier. Ah, t'en as fait des merdes, toi. Mais cela dit, quand c'est toi, on dit que c'est de la merde. Quand c'est striptease, on dit que c'est un télé. Oui, ah ben, je suis bien d'accord. Quand c'est striptease, Télérama trouve ça très chic. Et quand c'est confession intime, on dit mais quelle horreur. Voilà, c'est tout. Merci. Et lui, il sait tout sur un canard argentin, Laurent, il sait tout sur un canard argentin dont le sexe atteint jusqu'à 45 cm de longueur, c'est-à-dire beaucoup plus que sa longueur à lui globale. Et il peut atteindre attendez, c'est pas plus simple que tu te caresses. Au lieu de nous faire chier avec tes histoires. Non, mais quel rapport? Et donc, c'est parce qu'il en a parlé un jour dans l'émission. Je suis d'accord, comment on fait la connexion entre les deux infos? Non, ça, entre confessions intimes et le canard argentin qui a un sexe de 45 cm. C'est ça. C'est quoi l'histoire? Thierry, il n'y a personne qui peut la baiser dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un sort? Non. Il y a un problème quand même. Sinon, de temps en temps, elle va sortir des bites d'animaux comme ça. Non, bah... C'est quoi ça? Alors, défonce-la. Michel, assieds-toi. Voilà, Christelle, tu vas sous la table. Et pour qui la part? Tu vas sous la table. Pour qui la part? Allez, vite. Pour... Michel, tu vas montrer les parts et tu vas dire c'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Ça, c'est pour Michel Bouchard. À un moment donné, pour la lâcher. C'est pour qui ça? Pour Laurent Baffy. C'est pour Laurent Baffy. Celle-là, Baffy. Allez, hop. Alors après, on la présente. Voilà. C'est pour moi ça? Oui. Pourquoi tu bouffes, Philippe? J'ai pas dit que c'était pour toi. Non, j'ai mangé. Et pourquoi tu le suces, toi? On n'en est pas là encore. voici ces moments qu'on a aimés. Ça va être sympa. Et vous vous souvenez des Champs-Élysées? Des Champs-Élysées. Oui, ils seront toujours là, hein, ouais. Ce connard. On regarde. Le livre des frères Bogdanov. Au commencement du temps, d'ailleurs, on y retrouve pas mal de rues de Paris, telles qu'on les revisite en plongeant vers le passé. Parce que, bon, il est vrai que... Est-ce que toi-même, tu comprends ce que tu dis? Sois franc, tu comprends rien. Non, mais, allez, parlez franchement. Ah oui, bah, j'étais la marraine de l'école des fans en 77. Pour la et vous en avez des fans, et vous en avez toujours, Chantal. D'ailleurs, on va parler de votre actualité. Beaucoup sont morts, hein, de vieillesse. Certains, peut-être, mais en tout cas, nous, on est là. Je sais qu'on ne peut pas toucher à Chantal, même Jean-Jacques il ne les touche plus. Je souhaite bien du courage. Vous préférez quoi, Philippe? Les femmes ou les voitures? Vous faites un parallèle dans votre livre. Quelle est l'option que vous préférez dans une voiture? Alors, avec la législation et l'âge, c'est le confort. Hein, mais j'aime bien avoir la télévision en voiture. Et chez une femme? La télévision non, aussi. Il paraît qu'Amandali a une très belle antenne. Vous avez un point commun, Amanda, avec Laurent Baffy. Le sgeg. Non. qui autour de cette table a déjà embrassé Amandali sur la bouche? Ah bon? Je l'ai défoncé, mais il n'y a pas inscription. Je ne m'en souviens pas. En tout mais t'étais de dos. Ah, d'accord. Et puis, à ce grand débat, pour ou contre Raymond Domenech, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi conspué, conchier en France. Et pour ou contre la prostitution aussi. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. On aura le loisir d'en parler de ta petite sœur. Pour l'instant, revenons. On va pas se laisser faire, tu vas voir. Pascal, lui, quand il danse, c'est tout avec le bassin. J'ai un style, quoi. Je ne sais faire qu'une chose. C'est lui qui danse le mieux de nous tous. Qui, Pascal? Ouais. Il danse du bassin. Danse mais tu danses super bien. Tu danses bien, ouais. Il bouge très peu. Je sais pas. Et ben voilà, c'est l'économie de moyens. Exactement. Tu pourrais gagner Danse avec la bite, hein, c'est toi. Non, mais c'est vrai. De femmes magnifiques que tu as eues dans ton lit. Dans le respect de la personne humaine. Hein. Oui. Juste deux, trois noms. Attends, t'as la liste, toi, Greta évidemment. Greta Garbo, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot. Excusez-moi. Je plaisante.
Et il paraît que tu l'as pécho avec Balkany et Bardot. C'est vrai ou c'est la légende? Balkany. Mais il a une grosse bite, il paraît. On m'a dit ça. Oh là là, il faut ranimer Julie. Pas aussi grosse que celle du docteur Pelou qui a dû la faire grossir. C'est bien d'avoir un urgentiste dans l'équipe si quelqu'un fait un malaise. Il y a des docteurs, Debray, le frère de Debray, il fait grossir les bites, mais aussi. Enfin bon, je sais pas. Et sa sœur, moins. C'est une énorme escroquerie, ça. C'est pas une énorme escroquerie. La parole à la médecine. Thierry, toi, tu veux nous parler de ton micro-pénis ou tu préfères. Non, moi, j'en parlais pas, mais enfin, si tu veux, on peut en parler. Les sportifs, ils ont des petites bites. T'es le seul à baiser avec une loupe, toi. À chaque fois qu'il... Moi, j'ai l'impression d'être la personne la plus sympathique et la plus chaleureuse du monde. Et les autres me disent, t'es chiante. Elle est gracieuse. Elle est fraîche. Non, dis la vérité, est-ce que je suis chiante? Oh, ouais, elle est trop bavarde et elle est trop sur elle. Trop de quoi? Bah oui, t'es trop sur toi. Et puis elle est un peu sur... Évidemment, il n'y a plus personne. Tu vois, t'es dégueulasse. Patrick, bonjour, ta question. Bonjour, une question pour Élodie Gossuin. Oui. Il est là, il t'écoute. Ça suffit, on est marre. Ça a bien marché ton DVD La couille dans le potage. C'est vrai que Teddy Riner, il en fait du free fight, mais qu'il n'ose pas trop le dire parce que la fédération lui a dit tu la fermes sur le... Oui, ça c'est... On peut remettre la photo précédente. Là, tu boudes pas ton plaisir quand même. J'étais pas très bien. T'as quand même des tendances pour moi. Hein. Là, quand on voit ça, quand même, c'est vrai que ça fout la trouille. Même si manifestement, on voit que vous n'êtes pas en si mauvais état que ça, on le constate d'ailleurs. Ce soir, à part vos mains et vos poignets, quand même, ils sont bien... Non. Non? Normal. Non, normal? Ouais. Parce que Serge Calfon a l'habitude de filmer les mains, hein, de tout le monde d'ailleurs. Hein. Les mains et les pieds, c'est un fétichiste. Serge. Si je suis dans un train ou un autobus et une personne âgée qui n'a pas de place, je lui donne ma place. Mais tu trouves des gens plus âgés que toi dans le train? Ah ben non, bien sûr. Tu as rencontré Maryse à Europe 1, vous n'étiez pas libres tous les deux, et ça a été dans un premier temps le coup de foudre? Non. Oh. Dans un premier temps le boulot, oui. Non, voilà, vous avez travaillé 9 ans ensemble? 6 ans. 6 ans? Au petit matin, 6 ans. Et puis un jour, eh ben voilà, vous êtes vus sous un nouveau jour parce que ça, il m'a manqué et il est devenu directeur de la station, donc enfermé dans son bureau. Le premier soir? Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Alizé, vous avez gagné. Danser avec les stars, la finale le week-end dernier. Qui a suivi la finale de Danser avec les stars dans le public autour de cette table? Oui? C'est vrai, Gilles? Vous étiez pour qui? Ah, 55% des votes. C'est vrai. Je dois... Mec qui ment complètement. Non, quand t'as envie de baiser, ça se voit. C'est faux. Nous avons la chance d'avoir un talentueux chanteur qui est Lambert Wilson. Je pense que vous êtes passé à côté de votre vocation. Je chante au Châtelet au mois de juin, ouais. Vous chantez quoi au mois de juin? Le roi, The King and I, avec... Eric, le roi lion. Mais non, pas le roi lion, le roi et moi. Non, j'ai... La culture, vous chantez le roi lion, alors, hein, c'est ça. Le truc de... Le roi lire avec un mandat aussi. Avec le truc, le rôle de... Je voudrais qu'on m'explique comment se défaire d'une addiction. Oula! Quel genre d'addiction sans indiscrétion, Arlette? Attends, suis addict. Laisse ton garrot deux secondes. C'est beau, c'est poétique. Eh bien, on va te faire un traitement. On va te faire une ordonnance. Déjà, ça, deux fois par jour. Le soir. RMC, info, donc, sport. Et après les repas. France Inter. Voilà, Arlette. Ça va être drôle.